L'hippodrome de Wallonie, c'est le lieu qui accueille depuis 2013 le jumping international de Mons, mais c'est aussi quasiment le jardin d'Arnaud Doum. Je viens ici de Mons, je suis né dans les environs, mais mes écuries sont bien à Glun, chez mes parents exactement. Mon papa est vétérinaire, ma maman gère les écuries, et moi je me suis installé depuis 2 ans aux écuries comme cavalier professionnel. Le cavalier de Glun, âgé de 23 ans, a déjà participé aux 2 premières éditions du jumping de Mons, mais c'était dans le cadre du concours Une Étoile. Je commençais, je débutais, et j'avais des jeunes chevaux, et je n'avais pas forcément le matériel pour faire des plus grosses épreuves, donc je me suis laissé grandir, et je n'ai pas été trop gourmand, j'ai commencé par l'Une Étoile, je pense comme tout le monde. Cette année, c'est très différent pour Arnaud qui a pu bénéficier d'une invitation de la part des organisateurs pour prendre part aux 4 étoiles. Mes chevaux étaient assez en forme, j'ai fait pas mal de résultats dans les jeunes chevaux et je ne m'y attendais pas, mais j'étais repris pour le Grand Prix, que je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai commencé le premier jour avec une faute dans la première qualif le jeudi. Mon cheval sautait très 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 bien, je le sentais assez en forme, assez rebondissant. Je dis bon, on va quand même essayer la deuxième qualif avec lui, pourquoi pas. Et la deuxième qualif, je tire un sans faute avec lui. Le cheval a sauté fantastique, avec des moyens, avec de la force. Et un peu comme une deuxième jeunesse, parce que ce n'est pas le plus jeune. Ce cheval, c'est Gastronome de Huss. Gastronome, c'est un cheval qui a 16 ans exactement, qui a tourné à l'époque avec Katrina Hoffen et Kevin Stout sur les gros tours. Par la suite, il est resté un petit peu au haras de Huss. J'ai fait l'acquisition de ce cheval il y a 2 ans via M. Gilles Botton et de mon coach Patrick McEntee. C'est un cheval que j'ai dû apprendre à connaître. J'ai été un petit peu trop vite au début et puis on a eu un petit accident à deux. Et finalement, on s'est soulevé un petit peu ensemble et on a grappé gentiment les échelons à nouveau. Lui, il les avait déjà atteints, mais moi, je devais un petit peu apprendre les gros tours et mon métier. Et il m'en fait part sur ces hauteurs-là, donc je le remercie énormément parce qu'il m'apporte beaucoup et il me fait toujours plaisir. C'est un cheval qui a énormément de caractère, qui a énormément de force et surtout c'est un des plus grands guerriers que je connaisse. Il connaît déjà le métier et il m'en fait part et il est en train de m'apprendre aussi le niveau. Parce que je pense qu'il faut un petit peu un cheval professeur pour ce niveau-là et il est en train de me donner goût à cette hauteur-là pour moi former les jeunes chevaux qui arrivent un petit peu par la suite. Quoi. Comme c'est ma première fois, on verra sur les événements, mais en tout cas la pression commence gentiment à monter et la motivation surtout. Donc oui, j'ai confiance au cheval. Donc je pense qu'on a toujours eu confiance l'un dans l'autre. Donc on va laisser faire les choses et on va voir ce qui va se passer. On se fixe un résultat comme ça, un objectif. Ce sera mon premier mois de s'asseoir, donc vu les capacités un peu du cheval, je me suis dit si je finis avec 4 points ou 8 points, je serai déjà le plus heureux. Quoi. Et Arnaud compte bien sur l'expérience de Gastronome pour l'aider lors de son premier Grand Prix 4 étoiles. À l'heure de la reconnaissance de piste au milieu des top cavaliers du concours, Arnaud Doum semble un peu perdu, mais peut compter sur les précieux conseils de son coach Patrick McEntee. Non, c'est terrible, il faut que ça passe, il faut donner des moyens un peu dans la ligne. Bien se remettre en face de l'auxerre. Il n'y a plus qu'un. On fait comme le chef a dit. Monter comme il a toujours fait jusqu'aujourd'hui, rien changé parce qu'il est peut-être un peu plus stressé, mais je pense que le meilleur conseil c'est de lui dire de prendre du plaisir. Il forme un très beau couple avec son cheval, ils ont déjà fait du miracle ensemble et bon, on va croiser les doigts. Hein. Derrière cet air décontracté, la pression monte rapidement pour Arnaud. Numéro 18, il fera bientôt son entrée sur l'immense piste de l'hippodrome. Arnaud et Gastronome se lancent dans l'arène, impossible désormais de faire demi-tour, objectif, faire le mieux possible.
sorti un peu mon cheval au début de parcours, sorti avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de respect, avec une très bonne volonté. Tout se passait bien, j'ai suivi le programme comme Patrick McGinty m'avait dit. On a tout fait à la lettre et je pense que ça a payé jusqu'à la fin. Le triplet qui était assez fautif, je me suis assez méfié. Mais bon, ça c'est passé de justesse, mais c'est quand même passé. Et la ligne d'arrivée, c'était mon plus grand bonheur. C'est le sans faute, qualification pour le barrage du côté du paddock dans le clan Doom, c'est la libération, un bonheur à la hauteur de la performance que vient de réaliser Arnaud. Même si elle est déjà réussie, la journée est pourtant loin d'être finie pour Arnaud. Il va falloir désormais disputer le barrage face à 7 autres cavaliers et des noms comme Guéry, De Vos ou Whittaker. Il ne faut pas se mettre dans le barrage quand on rentre en piste. Je pense que c'est une fameuse préparation. Oui, donc quand je me suis remis à cheval, ça cogitait déjà à nouveau et je me remettais un petit peu de pression par moi-même et surtout beaucoup de motivation. Je suis rentré dans le barrage surtout pour faire le sans faute. D'abord faire sans faute. Et jouer bien placé dans l'épreuve. Mon cheval n'est pas le plus rapide, mais c'est un cheval à sans faute. Donc j'allais serrer quelques virages pour gagner du temps par-ci par-là, mais c'est ce que je voulais. 3e, 4e, 5e place, 8e place, c'était parfait. Ils seront finalement 3 à être sans faute et plus rapides qu'Arnaud, dont l'inarrêtable Jérôme Guéry qui s'impose une fois encore avec Papillon Z. Et ça passe, c'est plus vite. Arnaud, lui, rêve éveillé et a beaucoup de mal à réaliser ce qui lui arrive pour son premier Grand Prix 4 étoiles disputé à domicile. Effectivement, c'est inattendu ce qui s'est passé ici dans le Grand Prix. 4e, c'est plus que parfait. C'était fantastique. Si je finissais avec 4 points, 8 points, c'était déjà merveilleux. Mais finir sans faute, c'était pas dans mes intentions. Alors franchir cette ligne d'arrivée dans le temps et sans faute, c'est éblouissant, c'est merveilleux. On voit Robert Whittaker qui passe, qui fait une faute. Peter De Vos aussi. Là, on se dit, waouh, où est-ce que ça va s'arrêter? Oui, voilà, mais ce sont des grandes stars. Enfin, la plupart de l'épreuve, ce sont des grandes stars. Je suis un petit peu l'outsider, un petit peu de l'épreuve. Personne ne s'y attendait, et moi non plus. Mais face à ces grandes stars, voilà, je les regarde, je les admire toujours autant. Equi TV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.